Coucou. Comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du girl group coréen Purple Kiss et leur nouveau titre Zombie. J'ai vu les teasers photos, les teasers vidéos et franchement j'avais adoré leur premier comeback. D'ailleurs j'ai acheté leur premier mini album qui est très très joli intérieurement, mais là je sais pas, franchement il me donne vraiment l'eau à la bouche ces teasers, vraiment ce monde un peu très girly mais zombie décalé, vraiment avec un humour assez spécial, c'est vraiment beaucoup d'éléments que j'aime beaucoup, donc je sais pas ce que ça va donner, mais franchement je peux vous dire que c'est le comeback que j'attendais cette semaine, et c'est parti. Alors t'as déjà ce rose et ce vert. Ça lui va très bien ces couleurs de cheveux. Oh! Oh génial! Même le menu, ça me fait penser à e-zombie, la série. Où elle est médecin légiste là. Mais c'est pas un noir, c'est un bleu en fait dans ses cheveux. C'est très très rétro, hein, j'aime beaucoup. Oh! Toujours ce. Moi je trouve qu'on retrouve vraiment la patte de l'agence des Mamamoo, des Oneus, etc. Je trouve vraiment qu'on retrouve cet univers un petit peu décalé et bien à eux en fait, à cette agence je trouve. La Corée est très badass hein. Oh, il y a un œil. C'est pas bien ce que tu fais. Bla. Oh, les canons. Il y avait dans mon teaser vidéo où on les voyait à un moment donné sonner une porte avec un cerveau coloré et eux avaient des lentilles différentes de couleurs et en même temps ils avaient des sortes de tatouages, enfin plutôt des... Oh! Comme si on voyait leur chair, mais c'était bien fait subtilement avec le maquillage, je trouve. Le make-up est très canon. Après, je comprends pas ce gros tank, pourquoi? Oh. Oh. Visuellement. Oh, le regard. Ah, c'est ça, j'adore cette scène. Eh bien j'ai envie de vous dire, j'avais adoré les teasers, photos, vidéos, mais là j'aime énormément le MV. C'est tout ce que j'aime bien, zombie, très coloré, girly, mais en mode badass. Tous des éléments qui étaient assez marrants, vraiment même les fleurs avec les yeux,
toute la décoration est vraiment dans cette thématique de zombies. J'ai adoré, mais vraiment tout de A à Z. On voit vraiment que c'est bien travaillé et qu'il y a du budget. Au niveau de la chanson, j'aime énormément ce côté, mais très très rétro. Franchement, j'ai envie de vous dire que c'est un très 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 bon comeback. J'avais adoré leur premier, mais là, leur deuxième, franchement, c'était génial. Et à la fin, quand tu les vois en fait maquillés en zombies, bah, tout simplement, t'as le mec qui ouvre la porte et qui te dit... Et puis il s'évanouit. Franchement, je pense que c'est un acteur connu, je l'ai déjà vu, mais je sais plus vous dire comment il s'appelle. Mais en tout cas, oui, tout était là, c'était juste génial. Et vraiment, cette high note vers la fin, j'étais là en mode... Waouh, 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 wow. Il y a vraiment de très très grands talents dans ce groupe. Franchement, je pense que je vais, quand j'aurai de la monnaie, acheter sûrement leur deuxième mini-album. Et à mon avis, il doit être canon. Je ne sais pas si c'est un deuxième mini-album ou plus un single. Je ne suis pas, ou je me suis peut-être, je pense que j'ai vu ça quelque part, mais soit, je sais plus, c'est pas grave. Sur cette note de fin, je peux juste vous dire que j'étais en surkiff de A à Z. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cet univers de zombies mais très girly, également cette chanson en sonorité très rétro. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouverai très très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.